Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto dédié à Photoshop CS6 et plus particulièrement dédié aux débutants qui veulent apprendre ce célèbre logiciel de retouche d'image. Alors, on est souvent intimidé par Photoshop CS6 ou par Photoshop en général puisque euh, c'est un logiciel qui est très 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 complet euh, et pour être assez honnête, en fait, assez complexe, euh, mais il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se faire très simplement. Euh, il faut pas se laisser dérouter par l'interface du logiciel et tous les outils puisqu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et donc je vais essayer de vous expliquer en, en une heure en gros, ou peut-être un petit peu plus, euh, comment euh, se débrouiller avec Photoshop CS6 pour faire les tâches les plus courantes. Donc on va commencer en fait par faire un petit tour de l'interface bien entendu pour voir un petit peu dans quoi on atterrit quand on démarre Photoshop. Quand vous euh, lancez Photoshop CS6 pour la première fois, c'est là-dessus que vous devriez tomber, c'est-à-dire l'interface par défaut. Vous allez voir qu'on va pouvoir la personnaliser pour la faire correspondre à nos besoins. Alors en fait vous trouverez sur la gauche une barre d'outils ce qu'on appelle la boîte à outils qui contient donc comme son nom l'indique tous les outils disponibles dans Photoshop en tout cas tous les outils sur lesquels on peut cliquer pour faire quelque chose sur l'interface ce que vous avez au milieu là dans l'interface on appelle ça le canva c'est l'espace de travail aussi donc on va créer une nouvelle image très rapidement je vous reviendrai sur les options de nouvelle image plus tard mais c'est juste pour vous montrer que quand vous avez une image vous avez l'image qui s'affiche bien entendu au centre vous avez ensuite en haut une boîte, alors qui n'est pas une boîte à, à outils, mais une boîte qui dépend de l'outil sélectionné. C'est en fait une barre d'options contextuelles, c'est-à-dire que là par exemple, j'ai le rectangle de sélection qui est sélectionné, et donc je me retrouve avec toutes les options qui concernent le rectangle de sélection. Si maintenant je prends par exemple le pinceau en cliquant ici, je vais me retrouver avec toutes les options qui concernent le pinceau, et comme vous l'avez deviné, ça va être pareil pour chacun des outils. On va prendre ici le dégradé, ici par exemple... Le dodge pour modifier les temps moyens, qu'on appelle aussi densité plus ou densité moins en français. La plume, le texte, et vous voyez qu'à chaque fois la barre va changer pour m'afficher les options qui correspondent à l'outil que j'ai sélectionné. Donc cette boîte en haut, cette barre elle n'est pas figée, elle dépend vraiment de l'outil qui est sélectionné. Ensuite sur la droite vous avez des palettes, euh, qu'on appelle aussi panneaux, panels en anglais. Euh, je pense que vous aurez la version française, mais en gros les palettes s'affichent toujours vers la droite. On peut très bien les mettre à gauche si on veut, vous allez voir qu'on peut des paramétrer sans aucun problème. Vous avez aussi des panneaux qui s'affichent en bas maintenant dans Photoshop CS6, c'est la nouveauté. On l'avait aussi dans Photoshop CS5, euh, mais ils n'étaient pas affichés par défaut. Il fallait aller chercher en fait la ligne de temps avec euh, ce qu'on appelait la palette animation. Maintenant vous avez une palette mini bridge et montage. Mini bridge va me permettre en fait tout simplement de parcourir le contenu de mon ordinateur via bridge. Donc par exemple ici j'ai bridge qui est affiché derrière puisqu'on va utiliser certaines images. Et vous voyez que je peux très bien parcourir en fait mon ordinateur directement ici via le mini bridge. On a aussi un panneau montage qu'on n'explorera pas dans cette formation puisque il s'agit en fait d'une fonction assez spécialisée qui permet tout simplement de faire du montage vidéo directement dans Photoshop. Euh, Adobe a su reconnaître l'essor de la vidéo assistée et filmée par des appareils reflex qu'on appelle DSLR (Digital Single Lens Reflex) en anglais) et donc en fait ce sont des appareils photos qui permettent de filmer de plus en plus souvent avec une qualité proche de ce que l'on trouve dans le monde professionnel au cinéma, c'est-à-dire du Full HD. Et donc du coup la il y a beaucoup de photographes qui se sont mis à faire de la vidéo et qui ne sont pas forcément prêts à prendre d'autres logiciels que Photoshop, par exemple Premiere ou After Effects, pour monter leur vidéo. Donc on a maintenant un panneau montage que vous pouvez ignorer dans cette formation puisque si vous débutez, on va forcément voir des choses beaucoup plus simples que de commencer par du montage vidéo dans un logiciel de retouche photo. Ensuite, vous avez ben, tout simplement la barre de menu en haut. Euh, ici sur Mac, présente dans la barre du Finder, comme sur toutes les applications Mac, vous aurez sur PC... La présence de ce menu juste en dessous du titre Adobe Photoshop CS6 sera présente juste en dessous et juste au-dessus de la boîte contextuelle en fonction de l'outil qui est sélectionné. Donc vous allez voir que cette interface en fait elle est assez modulable. On a vu qu'on avait des panneaux sur la droite et on a aussi ces panneaux qui sont présents ici qui se débloquent uniquement quand on clique dessus par exemple l'historique. Et ici le panneau propriété qui est aussi un panneau contextuel qui va dépendre de ce que l'on est en train d'utiliser. Si j'ai un calque de réglage... Mon calque de réglage va s'afficher euh, ici dans ce panneau. Si j'ai un masque, il va s'afficher ici dans ce panneau. Et si j'ai un calque 3D, par exemple, il va s'afficher aussi dans ce panneau. Donc, le panneau propriété est une nouveauté de Photoshop CS6. Vous ne le trouverez pas dans les anciennes versions de Photoshop. Donc, il ne faut pas vous laisser surprendre si jamais vous faites le tuto sur CS6, euh, comme c'est le cas ici, et que vous passez un jour, euh, peut-être chez un ami ou dans une autre entreprise ou peu importe, sur une ancienne version, vous ne le trouverez pas. En fait, vous aurez euh, le panneau réglage euh, directement incrusté sur la droite pour les calques de réglage ou le masque, pareil, directement sur la droite. Donc, c'est pas non plus extrêmement différent, c'est juste quelque chose de plus pratique qui a été fait dans Photoshop CS6. Donc, ces panneaux, pour autant, on peut les sortir si par exemple j'ai envie de l'avoir en permanence, ce panneau propriété. Je peux très bien cliquer sur l'onglet et le détacher. Vous voyez alors une barre bleue qui s'affiche euh, lorsque je veux le réancrer. Alors, si je veux le sortir, il faut que la barre bleue disparaisse et vous voyez que du coup, mon panneau est devenu indépendant. Maintenant que ce panneau est indépendant, je pourrais très bien l'ancrer à un autre endroit dans l'interface, par exemple entre deux panneaux. On voit ici la barre bleue qui s'affiche, ou bien le mettre en tant qu'onglet dans un panneau existant, par exemple ici avec réglage. Donc là je l'ai mis à côté de réglage, ce qui fait que j'aurai réglages et propriétés qui seront présents à côté. Je peux aussi dire euh, bah je souhaite replier un panneau. Par exemple couleur, je ne veux pas l'avoir en permanence, parce que couleur, je vais passer en fait par le sélecteur de couleur pour choisir mes couleurs. Le sélecteur de couleur c'est ce qui est là en bas à gauche dans la boîte à outils. Donc j'ai pas envie d'utiliser le panneau couleur, je vais double-cliquer dessus et il va tout simplement se replier ce qui me permet de gagner un peu de place. Ou je peux complètement le faire disparaître en allant chercher en fait dans fenêtre, vous avez ici la liste de tous les panneaux que l'on peut obtenir dans Photoshop. Si par exemple je clique sur couleur, je vais faire disparaître le panneau couleur et aussi le panneau qui était ancré avec, à savoir le nuancier, il faut faire attention quand même puisque les deux ont disparu d'un coup si maintenant je voulais mettre l'historique à la place de couleur donc on va sortir historique donc comme on l'a fait pour propriété et on va prendre et on va le glisser juste au-dessus du panneau réglage propriété style ce qui va créer un nouvel espace et chacun de ces espaces peut être redimensionné pour pouvoir bien personnaliser l'interface comme on veut donc vous voyez que l'on peut vraiment transformer l'interface selon ses goûts une fois que l'on a obtenu une interface qui nous plaît on va aller dans la liste déroulante des espaces de travail en haut et on va cliquer sur nouvel espace de travail et on va l'appeler sur, par exemple, je vais mettre mon nom. On va enregistrer aussi les raccourcis clavier et les menus, même si on ne les a pas personnalisés. Puisque je vais vous montrer dans quelques instants comment on fait pour personnaliser les raccourcis clavier et les menus. On va cliquer sur enregistrer. Et j'ai maintenant un espace de travail qui s'appelle Julien Ponce. Et qui euh, me permettra en fait de retrouver si, cet espace de travail si jamais j'en prends un autre un jour. Donc on va réinitialiser les indispensables, qui est l'espace de travail par défaut. Qui est donc positionné au même, selon les mêmes critères que Julien Ponce, puisque c'est celui que j'ai modifié en premier. Mais je peux très bien retrouver les indispensables en mettant ⁇ réinitialiser les indispensables ⁇ Je me retrouve alors avec l'interface que j'avais par défaut, comme euh, ce que vous allez avoir quand vous allez démarrer Photoshop la première fois. Et maintenant, j'aurai bien un espace de travail personnalisé à mon nom, et j'aurai bien les indispensables qui sera revenu exactement euh, dans sa configuration par défaut. Donc on peut aussi faire la même chose sur la boîte à outils qui peut passer en deux colonnes, que l'on peut simplement détacher. On pourrait très bien aussi euh, éventuellement dire ⁇ je mets le panneau couleur sur la gauche ⁇ et je me fais une interface comme ça personnalisée avec des panneaux sur la gauche et sur la droite. Alors, je déconseille quand même de faire ça puisque vous voyez que ça consomme de la place, euh, et c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. En général, on cherche à gagner de la place et pas en perdre. Donc, c'est pour ça qu'on a le panneau, la boîte à outils sur une seule colonne pour gagner de la place, plutôt que sur deux colonnes comme c'était le cas avant. Euh, c'était à Photoshop CS2 et antérieur. C'est depuis Photoshop CS3 qu'on a une boîte à outils sur une seule colonne, et on a en général tous les panneaux sur la droite. Donc, on va encore une fois réinitialiser les indispensables. Pour le remettre dans sa configuration par défaut. Donc on a vu qu'on pouvait modifier les raccourcis et les menus. Pour cela il faut en fait aller dans Édition et on retrouve tout en bas dans le menu Raccourcis clavier et menu. Si on va dans Raccourcis clavier on voit que l'on peut changer les menus de l'application. C'est des menus que l'on trouve en haut, les menus principaux. Et on a le contenu de chacun des menus. Et on peut dire en fait tout simplement ben, je veux changer le raccourci pour tel, tel élément ou tel autre élément. Alors il faut avouer que... Quand même, la plupart des raccourcis sont déjà pris, ce qui fait que c'est assez difficile de retrouver un raccourci qui n'a pas été déjà pris. Lorsque le raccourci aura été déjà pris, évidemment Photoshop va vous avertir. Et du coup, il faudra trouver autre chose. Ou bien commencer par effacer le raccourci d'un menu euh, qui comporte le raccourci que vous voulez utiliser afin de l'attribuer à un autre menu. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir accéder aussi au menu de panneaux. Donc les panneaux, c'est les panneaux qu'on a ici. Les palette sur les côtés si par exemple je veux mettre un raccourci pour dupliquer les calques je peux très bien le faire ici directement donc en gros on a accès à toutes les fonctions du logiciel les menus qui sont présents en haut les panneaux qui sont présents sur les côtés et aussi naturellement sur les outils qui sont présents à gauche si vous voulez changer des raccourcis de ces outils pour par exemple les faire correspondre éventuellement à un autre logiciel que vous connaissez mieux euh, moi je déconseille en fait de changer des raccourcis tout simplement parce que la plupart du temps à 99% des cas quand vous travaillez sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ou dans une entreprise les raccourcis n'ont pas été changés et donc ça peut vous faire perdre du temps de devoir faire ça à chaque fois. Donc on peut malgré tout enregistrer un ensemble de raccourcis et vous pouvez le balader avec vous sur votre clé USB pour par exemple justement si jamais vous arrivez sur un ordinateur qui n'a pas les raccourcis que vous souhaitez, éventuellement essayer de le restaurer. Néanmoins, imaginons que vous soyez sur un ordi où l'accès aux clés USB est désactivé, vous allez devoir du coup reconfigurer ça à la main, vous allez perdre du temps. Et donc en gros, ben, vous ne serez pas capable de travailler dans des conditions dites entre guillemets normales. Il faut dire que les raccourcis claviers de Photoshop sont très bien pensés. Ils sont directement situés la plupart du temps pour les raccourcis les plus importants sur la main gauche, c'est-à-dire que vous avez la main droite sur la souris ou sur le stylet pour travailler, et la main gauche sur la partie gauche du clavier qui concentre l'essentiel des raccourcis les plus euh, usités. Du coup, si vous changez des raccourcis, évidemment... Bon, vous allez retrouver votre configuration préférée mais le jour où vous changez d'ordinateur vous serez perdu et vous allez avoir un temps d'adaptation, vous ne serez pas forcément peut-être hyper productif. En tout cas, je voulais vous le montrer, c'est ici que ça se passe si vous voulez changer les raccourcis. On a enfin la possibilité de changer les menus, donc c'est le deuxième onglet de la fenêtre. On peut aussi y accéder en allant directement dans Édition, Menu, ça revient strictement au même. Et en fait, Menu, c'est donc tous les menus que l'on a dans l'application en haut. Et s'il y a des menus que vous n'utilisez pas, vous pouvez en fait tout simplement décider de les masquer. Par exemple, si vous n'utilisez jamais euh, l'orthographe qui est présent dans édition et ici j'ai orthographe alors là c'est grisé parce que j'ai ma fenêtre qui est affichée derrière et qui m'empêche d'utiliser les menus mais si je l'utilise pas et que je veux pas polluer en fait euh, mon interface avec des éléments que j'utilise jamais je peux cliquer sur l'œil et on va cliquer sur ok et vous voyez que dans édition maintenant le menu orthographe a complètement disparu donc on peut comme ça euh, décider tout simplement de quel menu on va utiliser ou quel menu on ne va pas utiliser. Ici il y a au contraire des menus que l'on utilise très souvent et que l'on veut mettre en avant. On va aller par exemple dans fichier et on va mettre euh, enregistrer pour le web. On peut lui donner carrément une couleur et dire bah, je veux qu'il soit affiché en rouge. On va cliquer sur OK. Et vous voyez que maintenant dans Fichier j'ai enregistré pour le web qui est présent en rouge. Et du coup je suis sûr de le voir euh, sortir du reste, de le voir sortir du lot si jamais j'ai besoin d'aller vite. Aussi tout simplement, j'ai des trous de mémoire. Quand je débute, je peux me mettre certains menus très importants directement en rouge ou dans d'autres couleurs. Vous avez vu qu'on pouvait accéder à d'autres couleurs. Donc, en parlant des couleurs, on va réinitialiser du coup les indispensables pour tout remettre comme c'était par défaut. On va remettre réinitialiser les indispensables. On va se mettre dans un autre espace de travail qui est une nouveauté de CS6. Et du coup, on se retrouve en fait avec des menus qui sont maintenant surlignés en bleu. Et donc, pour chacun des éléments qui est sélectionné en bleu, on a des nouveautés dans Photoshop CS6. C'est un moyen de repérer très simplement et très rapidement ce qui a été euh, rajouté comme nouveauté dans Photoshop CS6. On peut aussi dire euh, de développer les panneaux parce qu'ils sont par défaut repliés. Ici, évidemment, ils sont très gros donc on va les remettre dans quelque chose de moins important. On va enlever Mini Bridge qui consomme de la place, par exemple. Et on va se retrouver avec ce qui a été changé dans Photoshop CS6. Il y a tous les panneaux qui ont changé qui se retrouvent ici. Donc c'est quand même un peu compliqué comme interface, mais si jamais vous voulez le voir, c'est ici que ça va se passer. On va revenir en fait sur mon espace de travail, puisque j'aurai besoin en fait de l'historique et de la propriété affichée en permanence pour ce tuto. Donc je vous invite, avant de continuer, éventuellement à essayer de manipuler l'interface, essayer de construire un petit peu des panneaux, les replier, les ancrer, etc. etc. pour voir comment vous pouvez vous débrouiller à vous balader dans l'interface dans Photoshop CS6. Donc, on va voir à présent comment utiliser l'interface après l'avoir euh, expliqué et paramétré. Donc, en fait, la première chose qui est importante à cerner dans Photoshop, c'est que on travaille toujours sur ce qu'on appelle des calques. Alors, les calques, c'est ce qui est présent dans le panneau en bas à droite qui s'appelle du même nom, calque, et qui affiche par défaut un calque d'arrière-plan de qui est verrouillé. Ça veut dire que euh, je vais pouvoir peindre sur ce calque, mais je ne vais pas pouvoir le déplacer ni même modifier son opacité ou euh, tout autre de ses propriétés. Pour créer un calque, c'est très simple. On clique sur la petite feuille, la petite icône qui est présente en bas. On peut aussi utiliser le menu calque, puis nouveau et calque. Ou bien utiliser le raccourci clavier qui est CTRL-SHIFT-N ou pomme shift n enfin COMMAND-SHIFT-N maintenant sur Mac. Euh, on dit plus pomme on dit Commande. Donc en gros c'est le même raccourci et on va créer un calque, et on va mettre par exemple TEST et on va cliquer sur OK. Du coup mon panneau calque affiche un deuxième calque qui s'appelle TEST et qui présente un damier, on le voit ici dans la vignette, euh, alors que pourtant j'ai du blanc qui s'affiche à l'écran. En fait chacun des calques peut s'afficher ou se masquer en cliquant sur son œil, ça veut dire que tout ce qui est contenu sur ce calque sera affiché ou masqué en fonction de la visibilité de ce calque. Ici le calque d'arrière-plan qui est présent et qui est on tient intégralement rempli de blanc, il va forcément afficher ce qu'il y a en dessous de test. Test est en fait un calque vide et donc le vide dans Photoshop, qu'on appelle la transparence, est en fait représenté par le damier qui est présent ici qui peut d'ailleurs se régler dans les préférences, mais la plupart du temps on laisse le damier présent par défaut parce qu'il est assez discret et il évite en fait d'altérer la vue de son travail. Donc en fait là j'ai un calque qui est présent et je vais pouvoir par exemple faire des choses là-dessus. Euh, avant toute chose il faut juste que je vous montre comment on se balade. On a vu que là j'ai fait un petit zoom mais je me suis baladé dans l'interface. l'air de rien, il faut savoir comment ça marche. Donc ici j'ai une image qui fait 16% au niveau du zoom. Ça veut dire que l'image à 100%. Et en fait vous le voyez beaucoup plus grande. Que ce que mon écran peut afficher, vous voyez, il faut que je défile pas mal pour pouvoir aller de haut en bas et de gauche à droite. Ça veut dire qu'on va être obligé la plupart du temps de travailler avec des niveaux de zoom inférieurs à la taille de son image. Ici j'ai bien un niveau de 100%, il me faudrait un ordinateur et un écran beaucoup beaucoup plus grand pour l'afficher en intégralité. Si je vais dans image, puis taille de l'image, je me rends compte que j'ai créé une image en 21.29.7, donc format A4, ce qui en 300 DPI. Euh, la résolution de l'imprimerie fait une largeur en pixels de 2480 par 3508, euh, ce qui évidemment est énorme. Il n'y a pas d'écran aujourd'hui en tout cas qui est capable d'afficher une telle résolution à 100%. Les, les écrans les plus euh, importants, euh, commercialisés en tout cas, on va dire abordables parce qu'il y a probablement des applications militaires ou autres où on a des dalles absolument euh, euh, gigantesques. Mais dans l'infographie, dans quelque chose d'abordable pour le grand public ou même par les professionnels, ce sont des écrans 30 pouces que l'on a au moment où j'enregistre cette vidéo. Et qui font 2560 par 1600. Donc, on pourrait couvrir la largeur d'une page A4 affichée à fond à 300 dpi, mais on ne pourrait pas couvrir la hauteur. Donc, 3500 par rapport à 3500 par 1600. Voilà, ça fait quand même la moitié en hauteur qui, qui ne serait pas disponible. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de travailler avec des niveaux de zoom inférieurs. Et pour régler le zoom, on a plusieurs solutions. Euh, la, pro la plus simple et la plus intuitive consisterait à aller chercher en fait la loupe, présent ici. Donc, quand je clique, je vais zoomer vers l'avant. Et si je clique avec Alt enfoncé, je vais zoomer vers l'arrière et je vais passer par tous les niveaux de zoom pré-réglés par Photoshop. En l'occurrence, euh, on a en général 8, 33, 12,5, 16, 67, 25%, 33, 50%, 66, 100%, et ensuite ce sont des multiples 200, 300, 400, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire un zoom progressif avec un glisser déposé. Si je clique et que je glisse vers le haut, je vais zoomer. Si je glisse vers en bas à gauche... Alors c'est en haut à droite pour zoomer, en bas à gauche pour dézoomer, un peu comme le pincement que l'on fait avec les doigts sur un iPhone ou sur un autre smartphone. Bien si on reste appuyé, on a un zoom, vous le voyez qui se fait progressivement. Alors le seul défaut d'utiliser l'outil zoom, la loupe qui est présent ici, c'est que admettons si je suis en train de peindre, donc on va prendre par exemple le pinceau et on va se mettre à peindre. Si j'ai envie de zoomer, il faut que j'aille cliquer sur la loupe, que j'aille zoomer, puis que je reprenne mon pinceau. Donc évidemment, ça me fait faire plusieurs opérations et c'est pas extrêmement rentable, le mieux en général c'est d'être directement avec son, son outil et de ne pas changer d'outil pour se mettre à zoomer et pour ça on a un raccourci en fait alors on peut utiliser ctrl plus qui va me permettre de zoomer sans changer d'outil, ou ctrl moins d'ailleurs mais on a encore mieux on a en fait alt roulette qui me permet vous voyez d'utiliser la roulette de la souris ou éventuellement euh, le touch strip de votre tablette graphique si vous en avez une et vous allez pouvoir zoomer et quand vous avez fini en fait bah, du coup vous revenez sur votre outil. Donc vous n'avez pas changé d'outil, vous avez pu zoomer. Ici on va gommer ce qu'on a fait, histoire de revenir à quelque chose de plus intéressant. Hop voilà, on a nettoyé. Donc maintenant vous savez zoomer sans changer d'outil, ce qui est quand même, vous le voyez, beaucoup plus rapide que d'aller à chaque fois dans la boîte outils et faire des clics un petit peu parasites. Et donc pour se balader dans l'interface, comme vous l'avez compris, naturellement on ne va pas utiliser à chaque fois la souris à aller chercher ce qu'on appelle les scroll bars. Euh, les barres de défilement ou les ascenseurs éventuellement, ça dépend comment vous appelez ça, mais ces barres sur la droite euh, et euh, cette barre sur la droite et cette barre en bas qui vous permet donc de bouger dans l'interface, on va utiliser tout bêtement la barre d'espace qui me permet de switcher et de passer temporairement sur l'outil main. C'est l'outil qui est présent hop, ici, outil main ou rotation d'affichage que l'on va voir dans quelques secondes. Voilà, l'outil main me permet de me balader dans une image qui est zoomée dans la fenêtre pour pouvoir aller sur la zone qui m'intéresse. Sauf que si j'utilise la main, encore une fois, il faut aller cliquer dessus, puis reprendre le pinceau. Puis ensuite, il faudrait reprendre la main, puis me balader. Enfin bref, vous avez bien compris que c'est absolument pas intéressant de faire comme ça. Alors que là, je peux me mettre à peindre, puis me balader, puis me remettre à peindre. Je bouge, et à chaque fois, en fait, le pinceau revient euh, aussitôt que l'on lâche la barre d'espace, qui est évidemment très pratique. Et du coup, on peut cumuler avec hop, un petit coup de zoom sur Alt-Roulette. Et comme ça, vous avez vu que sans jamais changer d'outil, on peut se balader et zoomer dans l'interface. Donc, si euh, vous voulez essayer de mettre en pratique ça, ça peut être intéressant de le faire dès maintenant, puisque c'est euh, typiquement le genre de geste que vous allez utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous vous baladez dans la fenêtre, euh, faire des zooms avant et arrière, le tout sans jamais changer d'outil, ce qui est quand même le plus intéressant. Et on a une nouveauté depuis Photoshop CS4, euh, si mes souvenirs sont bons. Euh, on peut utiliser, en fait, via l'interface accélérée OpenGL, la rotation de l'affichage. Alors je ne sais pas si comme moi vous n'êtes pas très à l'aise en général pour faire des traits euh, horizontaux à la tablette, c'est-à-dire faire des traits euh, quand on dessine comme ça horizontaux. Je suis plutôt euh, euh, à l'aise à, à les faire moi en vertical. Du coup j'aimerais bien faire mes traits horizontaux en faisant un geste vertical. Même pour ce faire maintenant on utilise donc le bouton outil rotation de l'affichage qui va me permettre de faire basculer la feuille et du coup de faire des traits verticaux avec un geste tout simplement horizontal. Donc c'est très très pratique, c'est un peu comme quand vous dessinez avec une vraie feuille de papier, dans la vraie vie vous pouvez faire tourner votre feuille pour avoir toujours le même geste et faire des traits dans l'autre sens. C'est un réflexe que l'on a en général quand on dessine ou quand on peint et qui n'était pas disponible avant dans Photoshop mais qui est présent depuis quelques versions qui réclame malgré tout l'accélération de l'interface, ça veut dire que si vous n'avez pas des pilotes accélérés OpenGL vous ne pourrez pas bénéficier de cette fonction qui sera alors grisée et du coup tout simplement vous ne pourrez pas l'utiliser pour la débloquer, il faudra aller dans les préférences, donc ici préférences et ensuite performance. Et on voit ici que j'ai la case utiliser un processeur graphique dans les paramètres du processeur graphique. Si jamais vous décochez cette case ou si vous n'avez pas les drivers, les pilotes qui vous permettent d'utiliser euh, l'accélération 3D de votre carte graphique, à ce moment-là, vous n'aurez pas cet outil qui sera présent. Euh, et ainsi que d'autres d'ailleurs, euh, dans l'interface de Photoshop. Ici, ma carte est reconnue parfaitement puisque c'est la carte d'origine de MacBook Air. Donc évidemment, il n'y a absolument aucun problème. Donc pour revenir à la vue d'origine, il suffit de cliquer sur réinitialiser la vue. Et du coup, on retrouve euh, la fenêtre exactement comme elle était au début. Il faut bien comprendre que mon, mon image restera toujours une image en portrait, euh, c'est-à-dire au format vertical. Si jamais je fais ça et que je la mets au format horizontal, ça exportera quand même une image verticale. C'est juste l'interface qui vous fait varier la position de la feuille pour que vous puissiez dessiner comme vous voulez, mais en aucun cas l'image qui va changer d'orientation. Si on va dans image, taille de l'image, on voit qu'on a toujours une image qui fait 21 par 29,7, donc une largeur plus faible qu'une hauteur. Donc on a bien toujours une image à 4 en portrait et non pas en paysage, comme on serait tenté éventuellement de le, de le voir si jamais on arrivait directement là-dessus, par exemple quelqu'un qui nous a fait une rotation sans que l'on sache vraiment ce qui s'est passé avant. Donc on met... Euh, réinitialiser la vue, l'angle de rotation repasse à 0 ⁇ et on retrouve l'image exactement comme on l'avait euh, mise nous lorsque l'on a créé le nouveau document. Alors nous allons voir à présent comment fonctionnent les calques et comment on va les organiser via la planète euh, calque ou le panneau calque. J'ai ici un fameux calque euh, transparent, celui avec le damier que l'on a créé tout à l'heure et j'ai un calque d'arrière-plan qui est blanc que l'on va cacher pour le moment. Je vais prendre en fait le rectangle de sélection présent ici et je vais dessiner un carré. Ou une sorte de carré, c'est pas important d'avoir un carré vraiment proprement parlé. Vous avez un affichage tête haute qui vous donne les dimensions en temps réel. Et vous voyez que éventuellement je peux faire un carré juste en regardant les dimensions. Donc on va faire ici euh, un carré par exemple rouge. Donc on prend le sélecteur de couleurs en cliquant sur la petite case qui est noire normalement par défaut. On va sélectionner du rouge. Je vous expliquerai le sélecteur de couleurs juste après. On va cliquer sur OK pour le moment. Juste je vous montre euh, comment peindre dans une sélection rapidement. Donc là. Je me rends compte que tout ce que je vais peindre avec le pinceau va se peindre en rouge, mais à l'intérieur de la sélection uniquement. C'est le principe même des sélections. Encore une fois, on va, on va y revenir un petit peu plus tard. Juste le but, c'est de vous faire peindre un carré pour éventuellement ensuite vous montrer des calques. Donc là, maintenant, quand j'ai une sélection, vous avez les petites fourmis que l'on voit là. Je vais essayer de zoomer avec le Mac. Donc voilà, une sélection, lorsqu'elle est active, on a ces petites fourmis qui courent le long, en fait, de la sélection. Et donc, comme on l'a vu, tout ce que l'on peint va se peindre uniquement dans la sélection. Donc, tant que cette sélection est active, et donc, que l'on voit les petites fourmis, on ne pourra rien faire d'autre à l'extérieur, on pourra travailler que à l'intérieur de la sélection. À moins que l'on modifie la sélection, mais on verra ça encore une fois un petit peu plus tard. Donc ici, pour lâcher la sélection, pour la désélectionner, on va dans sélection, et on clique sur désélectionner. Ça veut dire que maintenant, on pourrait très bien peindre un peu partout, et éventuellement, c'est pas euh, ce qu'on veut faire ici. Donc maintenant que j'ai peint un carré sur mon calque test, on voit que mon calque test, Ici dans le panneau, affiche une petite miniature du carré. Donc on voit toujours en temps réel en fait ce que l'on fait sur le calque. Donc, si je fais un trait, on voit un trait qui apparaît sur la miniature. Je vais annuler avec CTRL Z pour revenir à mon étape précédente. Si je prends l'outil de déplacement maintenant, je vais pouvoir déplacer le contenu du calque. Alors le contenu du calque, il est très simple. C'est du vide avec juste un carré à l'intérieur. Et on voit encore une fois un affichage tête haute que je vais vous afficher en plus gros en zoomant. Voilà, on voit en fait une petite fenêtre qui suit euh, mon carré pour m'indiquer où est-ce qu'il est par rapport euh, à, la, à la taille de l'image. Là par exemple ici on va voir que par rapport à mon curseur il peut être dans des, don dans des données aussi euh, éventuellement négatives pour le faire sortir de l'interface. Donc là par exemple il est à 24 cm, donc sur un format de 21, forcément on sort du format, mais on peut le voir, vous le voyez via des petites raies gris pour nous indiquer que l'on est sorti du format. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe si jamais on a plusieurs calques. Euh, comment on fait pour les organiser Qu'est-ce qui se passe au niveau de la profondeur Donc, on va créer un nouveau calque. On va d'abord renommer en fait le calque en double-cliquant sur son nom, sur test. Donc, on va l'appeler carré rouge. Donc, pour renommer un calque, en double-cliquant sur son nom, c'est très simple. On va en créer un nouveau. On va l'appeler carré jaune. Donc, de la même façon, vous refaites un carré. Vous pouvez aller plus vite en faisant en fait rectangle de sélection. Vous maintenez Shift enfoncé et la touche Shift va en fait contraindre le rapport hauteur largeur, ce qui va avoir nécessairement pour but de faire un carré. Donc, on va chercher, on clique sur le rouge, on va chercher du jaune ici, et on clique sur OK. On va prendre le pinceau, et on va peindre en jaune. Je pourrais utiliser aussi le pot de peinture si vous savez l'utiliser. Là, c'est juste pour vous montrer que, on travaille bien toujours à l'intérieur d'une sélection quand celle-ci est active. Et pour désélectionner, je vais utiliser le raccourci Ctrl D. Et maintenant, je vais pouvoir encore une fois déplacer ce calque. Donc, le calque jaune, c'est le calque qui est sélectionné. On voit qu'il est surligné en bleu ici dans l'interface de Photoshop. Ça veut dire que si je fais des choses, je le fais sur le calque qui est actuellement sélectionné, en l'occurrence le calque jaune. Et donc au niveau de la profondeur, c'est très simple ce qui se passe dans Photoshop. En fait, la pile qui est organisée dans la palette des calques, dans le panneau calque, c'est exactement ce qui va se passer dans la fenêtre, dans l'espace de travail. Ici, j'ai un carré jaune, un calque carré jaune qui est au-dessus d'un calque carré rouge. Et donc à l'écran, j'ai bien le carré jaune qui passe dessus le carré rouge. Et si je faisais l'inverse, si je mettais carré jaune en dessous, en le glissant, et eh bien j'aurais du coup le carré rouge qui passe au-dessus du carré jaune. Donc, en fait, la hiérarchie que vous allez avoir dans la palette des calques, c'est exactement la hiérarchie que vous allez avoir dans le, la fenêtre, euh, et votre espace de travail. Si jamais, en fait, je modifie l'opacité, c'est-à-dire à quel degré le calque, les pixels du calque sélectionné se mélangent avec les pixels des calques d'en dessous, on va mettre, par exemple, 50%. Et vous voyez que, du coup, mon calque rouge, mon calque de carré rouge, se mélange à 50% avec ce qu'il y a en dessous. On va même mettre, du coup, l'arrière-plan blanc. Et on voit si l'on zoome que la, jaune qui la zone qui chevauche le carré jaune, elle est orange, puisqu'on a mélangé du rouge à 50%, mais que la zone qui, qui chevauche du coup l'arrière-plan qui est blanc, eh bien on obtient une sorte de rouge euh, rosâtre, puisqu'on a dilué le rouge à 50%. Donc en fait, les pixels d'un calque se mélangent avec ceux d'en dessous à différents degrés de profondeur, puisque même si en dessous de carré rouge on a carré jaune, en dessous de cet endroit, de cette zone ici, on n'a pas de pixels de carré jaune. On a directement les pixels de l'arrière-plan qui sont blancs. Et donc malgré tout, les pixels de, du calque carré rouge se mélangent à 50% avec celui-ci. Donc quand on fait une opacité, on ne le fait pas toujours, on ne le fait pas que à n-1. On le fait sur tous les degrés, sur toute la profondeur de la palette des calques. Et cette palette des calques, comme on vient de le voir, euh, ben respecte en fait la hiérarchie. Ou plutôt l'interface ici respecte la hiérarchie de la palette des calques. Si j'ai un calque qui est devant un autre dans la palette des calques, alors il apparaîtra devant l'autre directement dans mon interface. C'est vraiment quelque chose de très important à appréhender puisque tout repose là-dessus dans Photoshop quand on veut faire passer des choses les unes devant les autres. Quand on veut par exemple enlever un ciel, en mettre un autre. Quand on veut détourer un élément, quand on veut remplacer un élément. Tout fonctionne à base de calques. Et donc il faut savoir positionner ces calques correctement et bien comprendre dans quel ordre il faut les mettre. Donc vous voyez que c'est quand même relativement simple. C'est plutôt logique. Ce qui est en haut apparaît en premier, ce qui est en bas apparaît en dernier. Et donc, ça suit logiquement ce que l'on ferait avec un collage. Si, par exemple, on avait une feuille et qu'on se mettrait à coller une autre feuille par dessus, eh bien, la feuille qui a été collée par dessus va cacher les éléments qui sont sur la feuille d'en dessous. Si, que qu'on a utilisé une peinture opaque, bien entendu, si on avait utilisé, par exemple, une feuille de calque un petit peu transparente, eh bien, on verrait apparaître transparaître les pixels de les pixels, pas sur une feuille, mais on va dire les éléments de la feuille d'en dessous. Donc, ça, ça respecte quand même ce que l'on a dans la vraie vie euh, quand on fait du collage, de la peinture, ce genre de choses. Et donc c'est plutôt facile à appréhender lorsqu'on débute dans Photoshop. Il faut juste euh, peut-être s'entraîner un petit peu au début à faire des manipulations comme ça, c'est-à-dire apprendre à bouger les calques les uns sur les autres pour pouvoir se repérer facilement. Donc au niveau des opérations sur les calques, vous avez évidemment la possibilité de les effacer. Donc pour effacer un calque c'est extrêmement simple. On va le glisser sur la petite poubelle ici. On peut aller sur le menu Calque et mettre Supprimer. Et on met Supprimer le calque. Ou on peut utiliser le raccourci Backspace, la touche euh, d'effacement, qui va m'effacer le calque couramment sélectionné. Quand on a plusieurs calques qui font la même chose ou sensiblement la même chose et que l'on veut les regrouper pour ne pas avoir une palette des calques qui serait trop importante avec par exemple des dizaines et des dizaines de calques, ce qui arrive assez fréquemment lorsqu'on travaille sur des retouches un petit peu compliquées, on va en fait devoir organiser notre palette des calques. Alors pour organiser la palette des calques, on va commencer à utiliser en premier ce qu'on appelle des groupes. Les groupes, c'est l'icône qui est présente ici en bas à côté de l'icône pour créer un nouveau calque. On a du coup l'icône créer un groupe. On peut aussi aller la chercher dans calques et mettre nouveau, et on a ici, groupe. On peut aussi créer un groupe d'après les calques, ça veut dire que si je sélectionne plusieurs calques avec Shift, comme je sélectionnerai plusieurs fichiers dans le Finder ou dans l'Explorateur sur Windows, j'ai ici ces deux calques qui sont sélectionnés, que je pourrais d'ailleurs déplacer en même temps. Si j'ai envie de les mettre dans un groupe, on va tout simplement faire CTRL G comme groupe, et du coup ces calques seront placés dans le groupe 1, que je peux évidemment renommer et que je vais appeler carré. Du coup je peux maintenant replier le groupe pour voir tous les calques qui sont contenus à l'intérieur, ou bien le replier pour cacher les calques qui sont contenus à l'intérieur et ainsi, ainsi avoir une palette des calques qui serait propre et bien rangée lorsque je vais travailler sur des éléments très compliqués. Si j'ai envie ensuite de mieux retrouver mes éléments, par exemple si j'ai plusieurs groupes, on peut aussi leur donner une couleur et on peut aussi donner une couleur d'ailleurs au calque, faire un clic droit sur le groupe et vous voyez qu'on a accès à des couleurs ici. Alors ça va pas changer des couleurs dans l'image, bien entendu. Ça va simplement changer la couleur dans la palette. Si par exemple, je mets rouge, vous voyez que du coup mon groupe apparaît en rouge. Et les calques à l'intérieur apparaissent en rouge. Donc ça me permet de ranger mes calques très facilement. Je peux évidemment, si je le souhaite, avoir des calques qui ont une couleur différente de la couleur de leur groupe. Euh, si jamais, pas euh, pour un besoin X ou Y, j'ai envie d'avoir une couleur différente. Donc vous voyez que euh, c'est assez facile de s'organiser. Il faut juste comprendre comment fonctionne la profondeur des calques. Mais malgré tout, c'est quand même vraiment le moteur de Photoshop. C'est là-dessus que l'on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je vous invite à essayer. Euh, de créer des calques, de remplir des choses très très simples et de les faire passer les uns devant les autres pour bien comprendre comment ça fonctionne avant de passer à la suite euh, où on va apprendre en fait à gérer l'historique, on va apprendre à faire des sélections, à faire des détourages avec la plume, et on va commencer à voir certains réglages du, des, avec les calques de réglages. Donc avant de faire tout ça, euh, ça suppose que vous savez que euh, bien vous balader dans l'interface. Euh, que vous savez faire des modifications sur la palette des calques. Donc essayez de vous entraîner avant de passer à la suite de ce tuto. Là, via le montage, il n'y aura pas de coupure, bien entendu, mais je vous invite à en faire une maintenant vraiment avant de continuer la suite. Donc on va voir maintenant comment fonctionne l'historique. Euh, on va passer sur un nouveau document, donc je vais faire fichier nouveau. Donc ici, on va prendre un modèle web et on va faire tout simplement une image en 1024 par 768. Ça fait partie des paramètres prédéfinis. Donc vous avez largeur et hauteur ici à régler, la résolution par défaut de 72 DPI. Et on va cliquer sur OK, on n'a pas besoin de se préoccuper plus des réglages. Donc en fait l'historique, si vous ne l'avez pas affiché dans l'interface, moi je vous l'ai fait afficher au début lorsque l'on a appris à personnaliser l'interface, en fait il faut aller dans fenêtre et aller chercher l'historique si jamais il n'était pas affiché. Donc en fait on va créer un nouveau calque, on n'a pas besoin de le renommer, vous pouvez le renommer si vous voulez, on va juste faire des traits de couleur. Donc par exemple ici... On va faire un premier trait de couleur. On va prendre le pinceau, vous prenez une brosse par exemple ici euh, autour de 100 pixels. Donc la panneau, le panneau des brosses est affiché en haut. On peut aussi faire clic droit éventuellement et on va faire un trait jaune. Vous voyez que tant que je reste appuyé sur le clic, il se passe rien dans l'historique en haut à droite et dès que je vais lâcher le clic, hop, on a une opération pinceau qui a été ajoutée juste après l'opération nouveau calque, juste après l'opération nouveau qui est tout simplement l'opération par défaut puisque la première des choses que Photoshop enregistre dans son historique, pour nous permettre de revenir en arrière, c'est en fait ben, simplement la création du document. On va prendre une autre couleur, on va prendre du rouge, et on va faire encore une fois un trait. Vous voyez que tant que je ne lâche pas le clic, je n'ai pas une deuxième opération pinceau qui apparaît. Je vais lâcher le clic, et j'ai un deuxième pinceau qui apparaît, et on va en faire un troisième en bleu. Et pareil, je vais lâcher le clic. Et j'ai bien trois opérations en pinceau. Donc en fait, le réflexe que l'on a quand on veut revenir en arrière dans, le, dans un logiciel, c'est de faire CTRL-Z pour revenir en arrière. Donc si je fais CTRL-Z, ça marche, je reviens en arrière. Et si je refais CTRL-Z encore une fois, ben je repars en avant. C'est peut-être la subtilité que, euh, qui va vous troubler dans Photoshop, c'est que c'est une touche à bascule, c'est-à-dire un pas en avant, un pas en arrière, plutôt un pas en arrière, un peu en avant. On ne peut pas vraiment revenir en arrière plusieurs fois, en tout cas avec CTRL Z. Pour revenir en arrière plusieurs fois, on peut faire CTRL ALT Z. Et vous voyez que dans ce cas-là, je vais pouvoir remonter les opérations jusqu'à un certain nombre d'opérations. Ce certain nombre étant 20 par défaut. Et on peut le régler, bien entendu, dans les préférences. Donc là, je vais aller dans Photoshop, préférences. Et je vais me mettre dans performance. Et on voit que dans état d'historique, j'ai 20. Si je mets 200, maintenant, je vais cliquer sur OK. Je crois qu'on peut aller à 999 si mes souvenirs sont bons. Alors, juste une parenthèse avant d'aller plus loin, euh, ça sert à rien de mettre 999, pourquoi Parce que toutes les opérations que l'on va stocker dans l'historique sont en fait stockées dans la mémoire vive. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, lorsque l'on va accumuler des états d'historique euh, par centaines, eh bien il va falloir Photoshop le stock dans la mémoire vive, et plutôt que de garder donc de la mémoire disponible pour les opérations courantes, pour ce que l'on est en train de faire. Il va garder de, le, de la mémoire pour euh, ce que l'on a fait avant. Donc, plus on va faire de choses, plus il va en accumuler dans l'historique et, et dans sa mémoire, et moins il aura de mémoire pour ce que l'on est vraiment en train de faire. Donc, à moins d'avoir une grande quantité de mémoire vive, je vous déconseille de mettre 999, qui plus est d'un point de vue, euh, on va dire méthode, si vous avez besoin de revenir en arrière 999 fois c'est que vous avez vraiment complètement changé d'avis sur l'orientation d'un travail euh, ou sur une opération et donc à mon avis soit vous avez déjà créé un nouveau document soit vous avez créé une, un autre euh, système pour pallier à ce problème en l'occurrence on peut utiliser des instantanés ou des compositions de calques donc les compositions de calques on ne les verra pas dans cette vidéo parce que c'est une fonction assez avancée mais bref il y a des moyens en fait de d'avoir un seul psd et plusieurs versions de son travail mais pour autant, euh, avoir à revenir 999 fois, c'est, je pense, euh, euh, pas vraiment représentatif d'un vrai travail euh, que l'on a à faire dans Photoshop. 200 fois, bon, ça commence à être quand même pas mal. Avec une machine qui a 4Go de RAM ou 8Go de RAM, comme c'est assez fréquent au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est pas tellement un problème de performance. Si vous avez 16 ou 32Go de RAM, dans ce cas-là, vous pouvez mettre 999. Euh, je pense pas que ça pose de gros gros problèmes, mais sur une très 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 grosse image, je, même avec une grande quantité de RAM, c'est quand même un petit peu idiot euh, de gaspiller de la mémoire pour des opérations euh, qui sont vraiment très très lointaines dans le passé, que très probablement vous n'irez jamais chercher, puisque encore une fois, comme je vous l'ai dit, changer d'avis à ce point-là, ça représente quand même un, un, un virage à 180 degrés. Ça veut dire qu'en gros, on repart sur une version de son travail qui n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, je pense que le bon compromis, c'est de rester entre 50, 200, 300, pas plus, en fonction de la quantité de RAM de sa machine. Et une fois que c'est fait, il faut cliquer sur OK et redémarrer Photoshop, ce que je ne vais pas faire ici, pour pouvoir bénéficier de ces 200 euh, nouveaux euh, états d'historique. Donc on a vu CTRL-Alt-Z pour revenir d'un état, CTRL-SHIFT-Z pour repartir en avant. Donc du coup maintenant il faut voir une petite subtilité, je vais augmenter la taille du panneau pour que ce soit bien visible pour vous. Donc j'ai bien ces trois états de pinceau, admettons que après l'étape euh, jaune, c'est-à-dire le premier coup de pinceau je veuille en fait non pas faire un coup de pinceau rouge mais, mais vert. Et eh bien en fait, je vais aller chercher du vert. Donc là, je suis revenu à mon étape précédente, je vais chercher du vert et je vais donner un coup de pinceau. Je regardez bien ce qui va se passer je clique, je ne lâche pas le clic. Et au moment où je vais lâcher le clic, eh bien j'ai un deuxième coup de pinceau qui est vert, mais j'ai perdu les deux autres que j'avais fait avant. Alors c'est un petit peu étrange parce que ça veut dire qu'on a le droit de revenir en arrière. Mais à partir du moment où on revient dans le passé, que l'on change quelque chose, ce que l'on avait fait entre temps, ce que l'on avait fait après est perdu pour toujours. C'est-à-dire que mon coup de pinceau rouge et bleu, là, si jamais je veux le retrouver, je ne peux pas, je l'ai purement et simplement perdu. Ce qui est vraiment quand même, ben, je trouve, assez dangereux. Donc on peut pallier à ce problème, on peut trouver une solution. On va revenir en arrière au coup de pinceau jaune. Euh, et on va faire par exemple, comme on l'a vu, un coup de pinceau rouge. Ce qui du coup va annuler au passage le coup de pinceau vert. Puisqu'on a vu que dès qu'on revenait en arrière et qu'on changeait d'avis, voilà, on remplaçait euh, indéniablement. Alors on avait dit du bleu, non pas du vert. Et on va se retrouver avec ce qu'on avait tout à l'heure. Donc trois coups de pinceau, un jaune, un rouge, un bleu. Moi j'ai envie de revenir sur le jaune, mettre un trait intermédiaire en vert, mais je veux aussi avoir le choix de revenir en arrière. En gros, vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous pouvez aller à gauche et vous pouvez aller à droite. Vous allez à gauche, vous prenez une direction, et parce que vous revenez à la croisée du chemin, bah, le chemin euh, de gauche disparaît. C'est-à-dire que vous l'avez pris une fois, vous décidez de revenir en arrière pour partir à droite, et à partir du moment où vous avez dit je reviens en arrière pour partir à droite, bah, mon chemin qui m'amenait à gauche il disparaît, ce qui évidemment n'est pas comme ça. Dans la réalité. Alors dans la réalité, on ne peut pas revenir dans le temps, mais si on prend la métaphore du chemin, le, le, la fourche elle sera toujours disponible. Je peux revenir, je peux aller à gauche, revenir au centre, repartir à droite. Si au centre, je me rends compte que finalement, c'était à gauche qu'il fallait bien et bien aller, bah, j'ai quand même toujours la possibilité d'y aller. Or, pas dans Photoshop. Pour cela, il faut aller dans les options de l'historique. Et on va tout simplement dans options d'historique. Donc les options, c'est le petit bouton qui est là en haut à droite. Alors, je vais vous le zoomer pour que ce soit plus simple. C'est ici que l'on trouve en fait les options de la palette. Du panneau, et on va créer, euh, on va cliquer sur accepter un historique non linéaire, une option qui n'est pas cliquée par défaut. Pourquoi Parce qu'elle va créer, du coup, multiplier les états d'historique. Donc si je reviens à mon coup de pinceau jaune et que je dis, bah finalement, je veux mettre un petit coup de vert, je change d'avis avant d'aller plus loin, je vais avoir un coup de pinceau qui va s'afficher après les deux autres qui étaient présents avant. Ce qui fait que je vais pouvoir revenir sur mon opération précédente, les trois coups jaune, rouge et bleu que sur le rouge ou éventuellement que sur le jaune et je peux aussi garder le vert, ce qui veut dire que si je change d'avis je ne perds pas les opérations que j'ai fait entre temps, alors c'est pas affiché par défaut, du coup c'est très pratique et c'est pas affiché par défaut, vous pouvez me dire mais du coup pourquoi ils l'ont pas mis par défaut si c'est si pratique que ça et en l'occurrence c'est pratique, vous l'avez bien vu mais c'est parce qu'en fait du coup ça multiplie les opérations à garder en mémoire ça veut dire que si on a, euh, si on a que 20 opérations définies dans les performances pour les états d'historique on va se retrouver très très rapidement à les remplir et donc, une fois que les 20 sont remplis, ben, la première, la, 21e, la N 21 e la n-21 va disparaître et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on pourra plus revenir jusqu'au début du document. Donc, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est surtout qu'on va multiplier les états d'historique et qu'on va remplir la RAM et donc faire baisser un petit peu les performances. Donc, aujourd'hui, avec les machines que l'on a, avec la grande quantité de RAM, on peut euh, allouer euh, de la mémoire en plus sur l'historique. C'est pas tellement gênant. Donc, on peut activer et autoriser l'historique non linéaire parce que, comme vous l'avez vu, ça vous offre le choix, ça vous offre la possibilité de revenir en arrière et de re-revenir en arrière si jamais vous pensez que finalement votre première opération était la bonne. Donc moi je travaille toujours avec euh, euh, autoriser l'historique non linéaire, c'est à vous de voir ici si vous souhaitez l'utiliser. Avec une machine qui a 4 ou 8 gigas de RAM et 200 niveaux d'historique, franchement vous pouvez y aller, euh, c'est pas ça qui va mettre à genoux votre machine. Donc c'était je pense assez important. Avant de continuer dans des opérations plus complexes, qui vont notamment mettre en oeuvre euh, des choix de couleurs, des sélections et des détourages. Euh, c'est des éléments où on a typiquement besoin de revenir en arrière assez souvent et donc je, je trouvais je pense assez indispensable de vous montrer comment fonctionnait l'historique dans Photoshop. C'est pas seulement un Ctrl Z, c'est aussi euh, un fonctionnement très particulier qui enregistre ce que vous faites tant que vous avez le clic enfoncé de la souris, qui crée une étape à chaque fois que vous lâchez le clic qui le fait un certain nombre de fois, en l'occurrence 20 par défaut que, que nous on a modifié à 200 et qui peut être modifié vers les options ce que l'on vient de faire. Donc si jamais euh, vous voulez euh, travailler avec le même système que le mien Pensez à mettre 200 et redémarrer Photoshop avant de continuer la suite de ce tuto. Donc, on va revenir sur le document que l'on avait créé au début et on va voir comment fonctionne en fait le sélecteur de couleurs. Donc, le sélecteur de couleurs, c'est ce que l'on trouve ici sur la gauche, tout en bas de la boîte à outils. Quand vous cliquez sur une case, vous avez en fait la possibilité donc de choisir une couleur. C'est assez simple à utiliser. On a par défaut en fait une bande qui représente toutes les couleurs et qui en fait fait varier euh, la variable t, qui s'appelle en fait la teinte, et qui est donc une roue chromatique, puisqu'on voit que cette euh, variable utilise une échelle de valeur de 0 à 360 ⁇ qui veut dire que quand on arrive à 360 en haut, vous voyez qu'on repasse en fait à 0. Donc il s'agit bien d'une roue qui représente tout simplement la roue chromatique. Donc en fait on choisit une couleur très simplement via cette roue, qui est en fait une bande, et ensuite on va pouvoir ajuster selon deux axes. Sur le x on a en fait la saturation, c'est-à-dire en gros la vivacité de la couleur, elle est plus ou moins vive. Euh, elle est plus ou moins éclatante on va dire pour prendre un vocabulaire euh, euh, littéraire lorsque l'on va aller vers la droite et elle est plus ou moins claire sur l'axe Y, donc plus on monte, plus elle va vers le blanc, plus on ajoute de blanc, et plus on descend, plus on ajoute de noir. Et tout cela module en fait le choix de la couleur, donc c'est comme ça que l'on choisit une couleur dans Photoshop. On a dans le sélecteur de couleurs deux couleurs en fait. Une couleur de premier plan, c'est celle qui est en haut à gauche, le carré en haut à gauche, ici du vert, et on a une deuxième couleur qui affiche exactement la même fenêtre, mais qui s'appelle couleur d'arrière-plan qui va, par exemple, me permettre de choisir une autre couleur. Et on peut passer de l'une à l'autre très facilement en appuyant sur X. Vous voyez que, du coup, mes couleurs s'intervertissent dans le sélecteur de couleurs. Ou bien, on peut cliquer sur la petite flèche qui est présente ici pour faire basculer. On peut revenir aux couleurs par défaut en appuyant sur le bouton qui est ici, qui va me permettre de retrouver le noir et le blanc, qui sont les couleurs par défaut. Ou pour ce faire, on peut appuyer sur la touche D pour aller plus vite et ne pas avoir à aller mettre la souris dans le sélecteur de couleurs. Donc, on va voir à présent comment fonctionnent les sélections. Donc on ne va pas voir toutes les sélections puisqu'il faudrait euh, probablement euh, quasiment une heure ou deux, ne serait-ce que pour expliquer tous les outils de sélection avec leurs options. On va voir en gros comment ça fonctionne d'une manière globale. On a vu le rectangle de sélection qui me permettait donc de faire des rectangles. Et on a vu en fait des touches qui permettaient de moduler ces sélections. Ces touches sont en fait les mêmes partout. Lorsqu'on fait une sélection et qu'on appuie sur Shift, on va contraindre le rapport hauteur-largeur, ce qui dans le cas d'une ellipse de sélection va produire un carré. Si on reste appuyé ici sur la boîte à outils, on fait sortir un tiroir pour avoir tous les autres outils qui sont présents dans la même famille. On le voit avec un petit triangle, en fait. Ce petit triangle qui est présent en bas à droite d'un bouton symbolise, en fait, la présence d'un tiroir. Ça veut dire qu'on a d'autres outils à notre disposition à l'intérieur. En l'occurrence, ici, ce qui m'intéresse, c'est l'ellipse de sélection. Donc, l'ellipse, ça va sortir, en fait, une ovale quand on va dessiner la sélection. Mais si on appuie sur Shift, eh bien, on va contraindre le rapport hauteur-largeur et on va donc obtenir un cercle. Si j'ai envie de le faire à partir du centre et non pas à partir de l'angle, vous le voyez supérieur gauche, je peux le faire en appuyant aussi sur Alt en même temps. Et vous voyez que du coup, j'appuie sur Shift et Alt et je dessine un cercle à partir du centre, à partir du moment où j'ai eu la croix. Ça veut dire que pour un carré, on va pouvoir dessiner un carré à partir de son centre. Ça va être en fait beaucoup plus simple que de le faire directement à partir du, du cercle, pardon, de l'angle supérieur gauche quand on veut dessiner. Donc c'est deux touches que l'on utilise en général en permanence. Shift pour le rapport hauteur-largeur la et Alt. Pour dessiner à partir du centre. Alors, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est comment cumuler, soustraire ou faire des intersections. Donc, quand on a une sélection qui est dessinée, c'est-à-dire une fois qu'elle est posée et non pas qu'elle est en cours de dessin. On peut utiliser la touche Shift pour faire, vous le voyez, en fait, le mode euh, addition. Ces modes sont présents en haut à gauche dans les, la, la, les options contextuelles. On voit ici le mode ajouter à la sélection, juste à côté soustraire de la sélection et encore juste à côté intersection avec la sélection. Si je me mets avec le mode ajouter à la sélection, tout ce que je vais dessiner va s'ajouter, vous le voyez, à la sélection courante. Si je me mets en soustraction, vous l'avez deviné je pense, tout ce que je vais dessiner va soustraire à la sélection active, à la sélection, à la sélection courante. Et le dernier c'est l'intersection, bah, tout ce que je vais dessiner va s'intercaler, euh, en fait, faire une intersection avec la sélection courante, jusqu'au moment où on n'aura plus grand chose forcément euh, à intercaler. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller changer les options directement dans la boîte contextuelle, vous pouvez utiliser le mode par défaut, qui est en fait un mode qui redessine une sélection à chaque fois, vous voyez qu'à chaque fois ça change. Et vous allez pouvoir utiliser des touches de raccourci qui sont Shift pour passer en mode addition. Vous voyez le curseur qui change avec le petit plus. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. J'appuie sur Shift, je passe en addition pour ajouter à la sélection. Si j'appuie sur Alt, je vais passer avec la soustraction. Donc hop, on va pouvoir soustraire à la sélection. Et si je fais, euh, je vais dézoomer un petit peu parce que là je suis quand même trop près. Voilà, si je fais Shift et Alt je passe avec le petit X et je vais passer en intersection donc on va faire ici l'intersection des deux sélections et ça revient au même donc ça permet en fait de ne pas avoir à aller cliquer c'est un raccourci qui est présent dans tous les outils de sélection pourquoi parce que je peux très bien commencer avec un carré et je peux très bien ensuite aller prendre par exemple les listes de sélection que je vais mettre en mode soustraire pour soustraire à la sélection et éventuellement prendre le lasso pour faire une intersection avec Shift et Alt à l'intérieur de cette sélection, et j'ai fait mon intersection. Donc en fait, tous les outils de sélection peuvent euh, bénéficier de ces raccourcis, et donc du coup, ça permet de faire des opérations très précises sur les sélections. Parmi les autres outils de sélection que l'on a, on a cet outil ici, qui est l'outil sélection rapide, qui va fonctionner évidemment avec des images plus complexes que celle-là. Donc on va par exemple ouvrir euh, cette image qui est présente ici, qui représente un paysage. Donc c'est un fichier brut au format DNG, donc on va passer par Camera Raw, qui ne fait pas partie évidemment de cette formation. Donc on va cliquer sur ouvrir une image en bas. On va pas développer l'image et on va utiliser le profil incorporé. Donc si ici je voulais faire une sélection du ciel uniquement, je pourrais en fait utiliser du coup la sélection rapide et faire un glisser-déposer et vous voyez qu'il va tout seul en fait essayer de deviner euh, l'horizon pour euh, me rajouter l'horizon à la sélection. Et on peut ensuite utiliser alt pour réaffiner le résultat car il y avait quand même un petit peu euh, un petit peu de ciel et de montagne qui était pris dans le tas et là j'ai obtenu un élément euh, assez propre si maintenant je voulais encore plus affiner ma sélection je pourrais aller dans euh, sélection et mettre améliorer le contour qui est l'option présente ici au milieu et qui va me permettre en fait vous le voyez de lisser ma sélection en utilisant le lissage ou utiliser le contour progressif et vous voyez que au lieu d'avoir une sélection très 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 nette on va avoir un contour qui va s'opérer que je peux afficher d'ailleurs avec un masque en incrustation pour bien voir ce que ça représente par rapport à la sélection et que du coup je vais pouvoir éventuellement décaler en soustraction ou en addition pour rentrer vers l'intérieur ou aller vers l'extérieur dans le ciel ici nous on va rentrer peut-être un tout petit peu sur la ville et quand vous avez euh, fini le résultat vous pouvez mettre sortie vers sélection vous pouvez dire eh bien je veux faire un nouveau calque avec par exemple un masque de fusion pour euh, garder le ciel ou garder que la ville nous on va faire juste une sélection et du coup, ben, on pourrait maintenant euh, appliquer par exemple un réglage. Donc si on va dans réglage ici, on va faire par exemple euh, un outil, on va mettre vibrance. Du coup l'outil vibrance se base sur ma sélection. On voit ici que j'ai un masque qui a été affiché. Je J'expliquerai le principe des masques un tout petit peu plus tard. Ça veut dire que ma vibrance, si jamais je la travaille, vous voyez que je vais pouvoir modifier uniquement le ciel. Le reste de la ville ne bouge pas puisqu'il se base sur la sélection. Il s'est basé sur la sélection pour créer un masque. Donc euh, les sélections se travaillent vous le voyez directement en amont avec les raccourcis pour ajouter ou soustraire ou faire des intersections et une fois qu'elles sont dessinées, on peut très bien donc les affiner avec la sélection améliorer le masque ou améliorer la sélection suivant si vous êtes sur une sélection ou sur un masque de fusion et on pourrait ensuite travailler un petit peu plus loin avec la plume. Avant de passer à la plume, je veux juste vous montrer le principe des masques de fusion. Donc on va revenir sur notre image, on va laisser cette image, on va quand même revenir sur l'image d'origine. On va prendre notre carré ici. On va zoomer dessus et on a un carré rouge au-dessus d'un carré jaune. Donc si je voulais effacer des morceaux de ce carré, euh, je pourrais très bien utiliser la gomme ici et dire bah je vais effacer des morceaux de ce carré. Le problème si je fais ça, c'est que si jamais je sauvegarde et que je réouvre mon image, les pixels qui étaient présents à l'origine dans le carré ont complètement disparu, ils ont été vidés de la mémoire et ils ne sont plus présents dans le fichier. Donc en fait on a un moyen de supprimer des éléments sans les supprimer. En fait, en réalité, on ne va pas les supprimer, on va les cacher. Ça va revenir strictement au même d'un point de vue du spectateur, mais nous, d'un point de vue auteur euh, et retoucheur, on va pouvoir être sûr que si jamais on veut revenir en arrière, on pourra toujours revenir en arrière. Pour ce faire, il faut donc utiliser un masque de fusion. C'est le petit bouton qui est présent ici en bas. Ça s'appelle ajouter un masque de fusion. Je vais zoomer dessus. Hop. Voilà, c'est celui-là. Ajouter un masque de fusion. Et en fait, il va travailler avec une carte en noir et blanc. Donc, quand j'ai un masque de fusion, j'ai un calque associé à un calque, en quelque sorte. Ce calque, par défaut, il est tout blanc. Les pixels qui sont blancs sur ce calque, en réalité, le masque, eh bien, ils vont dire au calque d'à côté de s'afficher. Ça veut dire que tout ce qui est blanc affiche, tout ce qui est noir va masquer. Donc, du coup, je pense que le principe est assez simple. Si on peint en noir sur ce masque, à l'endroit où on a des pixels qui s'affichent, donc sur mon carré rouge, Bien, peindre en noir sur ce masque va dire en fait au pixel du carré rouge de se cacher, et on va revenir strictement au même résultat que la gomme. Sauf que comme on a dit à ces pixels de se cacher et non pas de s'effacer, on a le choix, on peut revenir en arrière. Je peux dire ben, en fait, je vais finalement peindre en blanc sur ce masque, il faut bien cliquer sur le masque, hein, surtout pas cliquer sur le carré. Vous voyez ici, on va zoomer. Là j'ai le masque qui est sélectionné. Je clique ici, on voit le petit, euh, le petit cadre blanc qui dit que c'est le calque qui est sélectionné. Si là je peins en blanc, je vais rajouter des pixels blancs sur mon carré, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Je veux moi cliquer sur le masque, travailler sur le masque pour dire je veux que tu affiches les pixels de mon carré rouge. Et donc en peignant en blanc, on réaffiche les pixels présents sur le carré rouge. Donc il s'agit en fait d'un pochoir euh, qui se base sur des informations en blanc et en noir. Le blanc rend visible, le noir rend invisible. Naturellement, on peut utiliser toutes les variations présentes entre le blanc et le noir pour faire des pixels semi-transparents. Si par exemple, je prends un gris ici moyen, on va se mettre à 128, 128, 128. Donc, la moitié de la luminance, la moitié de la lumière. Eh bien, en fait, je vais rendre les pixels à 50% visibles. Ils sont pas tout à fait visibles, ils sont pas tout à fait cachés. Ça revient exactement au même, euh, par rapport à ce qu'on avait fait au début, à savoir mettre l'opacité à 50%. Et si on regarde le masque en appuyant sur ALT et en cliquant sur le masque, on voit que, en barbouillant avec le masque, ça définit, en fait, la visibilité de certains pixels. Il faut savoir que, si mon carré rouge, il n'y a pas de pixels ailleurs, donc le fait de barbouiller sur le masque, même si on dépasse, c'est pas très grave, puisqu'ici, de toute façon, il n'y a rien. Donc voilà comment on efface les choses, en fait, dans Photoshop. On utilise plutôt des masques de fusion, puisque comme ça, on peut revenir en arrière et ne jamais altérer son travail d'une manière définitive. Si jamais on ne veut plus utiliser un masque de fusion, on a deux solutions. On peut, d'une part, cliquer avec le bouton droit, et cliquer sur désactiver le masque de fusion, mais il sera encore là si jamais on en a besoin, ou bien si on veut l'effacer complètement, on peut dire supprimer le masque de fusion, et on a tout simplement enlevé le masque de fusion, et du coup, l'intégralité des pixels de ce calque se retrouve du coup, ben, totalement visible. Alors en fait, quand on a une sélection active, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut transformer une sélection en masque de fusion. C'est ce qui va se passer par défaut lorsqu'on va travailler avec ce qu'on appelle des calques de réglage, donc des calques qui nous permettent de faire certains réglages de couleur ou de lumière. Le fait d'avoir une sélection présente, je vais revenir à ce que j'avais par défaut. Le fait d'avoir une sélection active va me permettre en fait de créer un calque qui correspond à la sélection. Ça veut dire je garde ce qu'il y a dans la sélection dans mon calque de réglage. Par exemple, je vais faire euh, une courbe en calque de réglage. Il a automatiquement récupéré, vous le voyez, le contenu de la sélection en blanc. Et il a fait un masque de fusion pour dire ben, je veux travailler que sur ce qu'il avait sélectionné. Et j'avais sélectionné du coup uniquement le ciel. Donc maintenant je peux me mettre avec un réglage. On va se mettre dans propriété. On va cliquer sur la courbe, on va vous afficher voilà un petit peu mieux la courbe. Donc maintenant si je fais une courbe, vous voyez que seul le ciel va bouger. Alors du coup il faut faire attention, on a une sélection qui était très 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 nette, ce qui veut dire que sur mon réglage on voit quand même une cassure très visible sur l'horizon. C'est pour ça qu'en général on cherche à faire un, améliorer le contour ou améliorer le masque que l'on peut faire après coup. Je peux ici cliquer sur le masque, faire du coup un contour progressif. Et du coup vous voyez que mon horizon va se mélanger. Il va être. Bien diffus et du coup ma courbe va être euh, complètement fondue avec l'horizon, ce qui fait que j'aurais bien modifié le ciel sans avoir une cassure très nette. Si maintenant je fais un alt clic sur mon masque, sur mon calque de réglage, on voit qu'il affiche bien en blanc le réglage, il affiche bien en noir, mais au milieu, il y a une zone de transition où le réglage s'affiche bah, pas complètement. Du coup, ça me permet en fait de faire une transition progressive entre une zone où on a un réglage et une zone où on n'a pas de réglage. Donc en fait, il faut bien comprendre ce fonctionnement dans Photoshop parce que on est toujours en train de sélectionner des choses. On est toujours en train de faire des masques pour afficher ou ne pas afficher certaines choses, mais toute la difficulté de faire des photomontages réussis est complexe et complexes est que l'on ne voit pas le photomontage. C'est le principe des effets spéciaux, si on les voit, c'est qu'ils sont ratés. Donc, du coup, tous les outils que je vous ai montrés pour affiner la sélection, en particulier améliorer le contour, et on a quand même des options beaucoup plus complexes que l'on ne couvrira pas dans cette formation, bah, c'est là que va, va se situer le cœur de votre retouche. Mais maintenant vous savez comment créer des sélections, comment on les modifie, comment on les transforme en masque pour pouvoir travailler euh, sur une portion isolée d'une photo. On va maintenant euh, passer en fait à des sélections plus complexes au niveau de la plume, c'est-à-dire comment créer en fait une forme très précise de ce que l'on veut détourer avant d'en faire une sélection et avant d'en faire un calque de réglage. Donc nous allons voir à présent comment utiliser la plume pour faire donc des euh, sélections un peu plus complexes que celles que l'on peut trouver avec les outils par défaut de Photoshop. Donc la plume en fait c'est l'outil que l'on trouve ici dans la boîte à outils, juste au-dessus de l'outil texte, et qui en fait euh, propose aussi plein d'autres outils qui vont servir à la modification des tracés. Donc on a ici en haut de, deux options, l'option Forme qui va me permettre de créer un calque vectoriel, c'est-à-dire avec un fond et avec un contour, exactement comme dans Illustrator. Il y en a le mode par défaut qui est le mode tracé qui va juste, comme son nom l'indique, créer un tracé. Donc en fait, la plume, elle fonctionne assez simplement. Elle va permettre en fait de placer des points. Et à chaque fois que je vais cliquer, je vais avoir un point. Et comme vous le savez, règle mathématique de base, le plus court chemin entre deux points, c'est une droite. Donc on va pouvoir, comme ça, créer en fait une forme. Et quand on va arriver sur le dernier point, on va voir le curseur qui va changer. Je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez la petite boucle qui apparaît qui veut dire qu'on a fermé le tracé et qu'on va pouvoir maintenant faire quelque chose avec ce tracé. En l'occurrence, quelque chose, la plupart du temps, c'est faire un clic droit et dire définir une sélection. On va cliquer sur OK et vous voyez que j'ai fait une sélection d'une manière beaucoup plus précise que si j'avais dû la faire avec le lasso. On aurait pu faire ça avec le lasso polygonal qui est présent ici. Lasso polygonal, ça veut dire qu'on aurait pu faire ça, en gros. Hein. Mais quand on change d'avis, en fait, avec la plume, l'intérêt, c'est qu'on peut revenir sur tous les points. Que constitue le tracé? Je vais afficher le tracé en cliquant dans le panneau tracé, hop, ici. Et je vais prendre, par exemple, en dessous de la plume, la flèche sélection directe, l'outil sélection directe qui est présent ici. Et en fait, cet outil va me permettre de modifier tous les points un par un. Ce qu'on ne peut pas faire, évidemment, avec le lasso. Donc, ça, c'est intéressant, mais pour l'instant, on a vu comment créer des droites uniquement, donc forcément, c'est pas non plus extrêmement complexe. Ni complet, on va voir comment créer des courbes. Et c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu. Donc en fait, pour, pour créer une courbe avec euh, la plume, il euh, y a euh, quand même une méthode assez précise. On va cliquer, on va faire un point, on va cliquer, faire un deuxième point, et on va rester appuyé. Et quand on va tirer en fait avec la souris, quand on va glisser, on va en fait sortir deux tangentes. C'est les deux traits que vous avez là. Une tangente qui va aller vers l'arrière, c'est-à-dire vers le point d'avant, et une tangente qui va aller vers après. Donc en fait, on voit que la tangente, va donner l'indication du point d'après. Si maintenant je veux remonter pour placer un troisième point, on voit que cette tangente qui était présente ici a donné la direction sur le début de la courbe avant que la courbe se mette à remonter pour aller vers son dernier point. Ça veut dire qu'en gros il faut anticiper quand on fait un tracé, il faut toujours donner une orientation sur la tangente sur le point d'après. Alors par exemple, si je voulais en fait aller vers le haut sans passer par une petite courbe qui descend, il faudrait que je replace cette tangente. Alors on peut le faire avec Alt par exemple pour dire ben, finalement on va monter et donc je peux aller placer un point en haut. Et vous voyez que du coup la courbe passe, part bien vers le haut. Si je remets cette tangente, vous le voyez vers le bas, ben, on voit que le tracé va influer et aller vers le bas avant de repartir vers le haut. Donc voilà comment ça se traduit. Il faut en fait faire une petite euh, gymnastique au niveau des mains. On fait un point, on va faire un rebond. Et si je veux faire exactement le même rebond, il faut que je dise à ma tangente, avant de lâcher le clic, qu'elle doit partir vers le haut. Donc j'appuie sur Alt, je lui dis tu vas repartir vers là. Maintenant je vais lâcher le clic et ensuite lâcher Alt, et je vais pouvoir placer encore un point. J'appuie sur Alt, je redonne la tangente indication, je lâche le clic, je lâche Alt, et ainsi de suite. Et comme ça on peut donner des indications exactement comme on veut à nos tangentes. Si jamais on s'est trompé, encore une fois, c'est pas grave, c'est même tout l'intérêt de l'outil plume. On peut prendre la flèche blanche et dire je veux bouger une tangente, ou bien je veux bouger un point. Ou bien je veux transformer carrément une courbe en droite, c'est-à-dire que je veux supprimer les tangentes. Pour ce faire, on va aller chercher l'outil euh, dans la plume ici, on va aller chercher l'outil conversion de points, et on va dire ben, ce point-là, je le convertis, et du coup il n'a plus de tangente. Et donc forcément, on, redevient, euh, sur, on revient sur des droites, puisqu'on a perdu les tangentes. On peut aussi rajouter des points d'ancrage sur un tracé. Vous voyez que du coup je peux rajouter des points là où il n'y en avait pas. Et je peux naturellement faire l'inverse, prendre l'outil suppression de points d'ancrage et enlever des points jusqu'au moment où finalement il n'y en aura plus, bien entendu, et j'aurai effacé mon tracé. Donc la plume, vous le voyez, est extrêmement complète. On peut vraiment faire toutes les formes qu'on veut. On peut épouser tous les tracés qu'on veut. Si par exemple je voulais détourer un élément complexe, on va prendre une photo ici, on va prendre ce PSD. Si je voulais détourer euh, le modèle qui est présent sur la photo, eh bien je pourrais zoomer. Assez près, alors évidemment après il y a des petites subtilités pour tout ce qui concerne les cheveux, euh, les fourrures, tous les détails un petit peu flous, mais c'est juste quand même pour l'exemple. On va prendre en fait un point ici, un deuxième point, on va rester appuyé, on va appuyer sur Alt, replacer la tangente, et on va pouvoir comme ça en fait épouser la forme de l'objet que l'on souhaite détourer. Alors la plupart du temps ce que l'on cherche à faire aussi c'est utiliser des outils automatiques pour essayer d'y arriver plus rapidement. Et si on n'y arrive pas avec des outils automatiques, on prend la plume, on se met à tracer, et dans ce cas-là on sera sûr d'arriver à un bon résultat. Et vous voyez qu'en tirant des points, en replaçant les tangentes en indiquant, bien, en indiquant bien quelles sont les zones où je veux aller, et bien je peux épouser la forme de mon objet très simplement. Et vous voyez que mon tracé va suivre le bras de mon modèle si je voulais par exemple l'incruster sur un autre fond que celui-là. Donc une fois que l'on a fini le tracé, on va revenir sur l'image ici par défaut. Donc une fois qu'on a fini un tracé... Je vais faire une forme très simple. Et eh bien on, fait, euh, on va faire un alt-click et on va dire définir une sélection. Et maintenant que cette sélection est active, eh bien, on peut très bien s'en servir pour faire un calque de réglage ou bien pour faire éventuellement un masque de fusion. On peut aussi évidemment déplacer la sélection et dire je vais mettre ce morceau ici et par exemple m'en servir de masque pour euh, se baser sur la sélection et créer un masque. Là j'ai fait n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple, mais la plume est en général pas une fin en soi, la plume est un début de quelque chose. La plume est un outil de sélection qui permet de faire quelque chose d'autre ensuite derrière, en l'occurrence, la plupart du temps, créer un masque de fusion ou bien créer un calque de réglage qui va se baser sur cette sélection pour pouvoir modifier une partie de la photo sans toucher au reste. Donc là, vous avez vu en fait euh, l'essentiel des outils que l'on a besoin de maîtriser pour vraiment mettre le pied à l'étrier dans Photoshop. On a vu. Comment euh, paramétrer l'interface, comment l'interface était organisée, on a vu le principe des calques, comment on pouvait passer un calque au premier plan, à l'arrière-plan, comment ils pouvaient se mélanger entre eux. Euh, on a vu comment utiliser des sélections pour les cumuler, les soustraire, faire des intersections, comment se servir de ces sélections pour obtenir des masques afin de cacher des éléments sans jamais les supprimer, ce qui est une manière, euh, ce qui est la manière de travailler dans Photoshop, la manière la plus souple. Et on vient de voir à l'instant comment utiliser la plume. Pour euh, faire des sélections plus complexes à partir de tracés. On a vu aussi au passage comment choisir des couleurs, ce qui est quand même assez important. Comme vous l'imaginez, il y a plein de choses que l'on n'a pas vu, forcément, puisque Photoshop est un logiciel très complet. Euh, il y a, Vous avez des formations complètes à Photoshop qui peuvent durer probablement une dizaine d'heures, donc c'est quand même beaucoup de temps. Euh, d'apprentissage plus ensuite la pratique donc euh, vous apprendrez pas photoshop intégralement en une heure c'est pas possible mais néanmoins avec euh, la formation que vous venez d'avoir ici vous avez maintenant toutes les clés pour, pour progresser et vous avez surtout les clés pour apprendre à apprendre ce qui est le plus important je pense dans le logiciel d'infographie c'est d'avoir les éléments de base pour pouvoir ensuite être autonome et apprendre des choses tout seul c'est vrai qu'au début quand on démarre dans photoshop euh, si on sait pas comment fonctionnent les calques si on sait pas où aller chercher les outils si on sait pas ce que c'est qu'une sélection c'est pas évident d'embrayer et de passer à la suite puisqu'il nous manque des fondamentaux. Vous avez maintenant ces fondamentaux et donc vous allez pouvoir continuer sur euh, d'autres tutos pour éventuellement euh, approfondir vos connaissances.